à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Secret de Satan.
maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
arrachant la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu pour les siècles. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé. Visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant qu'il ait en tout la primauté. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Tout vient de lui, tout est pour lui. Lecture tirée de la lettre de saint Jacques. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'appliquer dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. L'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Exultavit, spiritus meus.
L'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu. Pour les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent. Pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ et pour nos frères chrétiens les plus proches. Pour ceux qui nous ont fait du bien et pour ceux qui nous haïssent. Pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades. Pour ceux qui comptent sur nos prières malgré notre faiblesse. Pour nous-mêmes et pour ceux qui reposent dans la paix. Ensemble, prions. Seigneur, garde-nous ce soir comme tu nous as gardés tout le jour et fais grandir notre espérance de vivre avec toi dans la lumière sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne de vivre en bonne intelligence selon l'Esprit du Christ, ainsi, d'un même cœur et d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.